Un beau bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors cette capsule, c'est avec les archanges. Ah, les archanges! Eh bien, les archanges sont des guides très puissants. Ils sont sages et aimants et ils peuvent nous motiver et nous apaiser de manière miraculeuse. Les archanges sont des anges tout à fait réels, puissants et non confessionnels qui supervisent, eh bien, les anges gardiens. Imaginez-les comme les gérants de nos anges gardiens. Les archanges sont des messagers qui relient le Créateur à ses créatures et qui nous aident dans tous les domaines de notre vie. Ils nous protègent, n'est-ce pas, et nous guident, amenant à chacun la paix sur terre. Parce qu'ils sont très puissants, les archanges nous incitent également, eh bien, à agir. Les archanges n'ont aucune restriction de temps ou d'espace. Ils peuvent donc se retrouver simultanément, eh bien, avec tous ceux qui les invoquent. Les archanges peuvent avoir, eh bien, des expériences et des échanges uniques et personnalisés avec nous tous. Chaque tradition religieuse et spirituelle possède sa propre doctrine par rapport aux anges. Nous pouvons faire toutes et tous appel à un archange. Nous n'avons pas besoin de prononcer de formules d'invocation, détenir une éducation ou une expérience religieuse spéciale, ni vivre une vie parfaite pour obtenir, eh bien, leur attention. Le seul fait d'invoquer le nom d'un archange suffit pour en appeler un à nos côtés. Les archanges sont heureux de nous aider en ce qui concerne notre vie quotidienne, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont des êtres illimités, eh bien, vous n'avez pas à avoir peur de détourner un archange de problèmes plus urgents. Les archanges travaillent de concert avec nos anges gardiens pour apporter, eh bien, guérison, conseil et miracle. Merci de votre écoute. Merci pour votre écoute, de votre écoute. Je vous embrasse et puis on se retrouve pour une prochaine capsule. À tout bientôt. Beau matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, nous entamons le mois de juin et nous sommes lundi 3 juin 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère, et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Eh bien, pour cette semaine, nous allons avoir les messages des archanges. Les archanges qui sont dans la hiérarchie, qui sont plus hauts que les anges, n'est-ce pas? Et nous allons avoir leurs messages chaque jour. Je terminerai par l'oracle, le petit oracle des amoureux. Et puis avant de commencer, eh bien, la petite philosophie du matin qui sont les pensées positives
pour être heureux tous les jours. Alors, eh bien, petite philosophie pour ce lundi 3 juin. Heureux maintenant. Il ne tient qu'à nous de décider là, maintenant, tout de suite, d'être heureux et de prendre la vie du bon côté, voir évidemment le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Eh bien voilà, belle philosophie pour ce lundi 3 juin. Et pour aujourd'hui, j'ai pigé eh bien l'archange Azraël. Et il nous dit, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. C'est le réconfort. Alors, les archanges, eh bien, ils sont heureux vraiment de nous aider en ce qui concerne, eh bien, notre vie quotidienne, de ce que nous vivons quotidiennement. Puisqu'ils sont des êtres illimités, eh bien, nous n'avons pas à avoir peur de détourner un archange de problèmes plus urgents. Les archanges, eh bien, travaillent de concert avec nos anges gardiens. Ils nous apportent guérison, conseil et miracle. Quand je dis « ils nous apportent », c'est pour apporter, n'est-ce pas? Et comme je vous ai dit, eh bien, les archanges sont au-dessus dans la hiérarchie, n'est-ce pas, céleste? Ils sont au-dessus des anges, mais ils sont en collaboration avec les anges. Je demande, je vous dis dans différentes capsules, quand je parle des anges, des archanges, il faut les solliciter, parce que si vous ne les sollicitez pas, ils ne viendront pas à vous. Et il ne faut pas avoir peur de demander leur aide. Le réconfort, l'archange Azraël, toute personne, aussi forte qu'elle soit, n'est-ce pas, eh bien, nous vivons des expériences bouleversantes. Et il n'y a pas de honte à prendre le temps de guérir son petit cœur. Et c'est une bonne occasion de réfléchir calmement, eh bien, à vos sentiments profonds. Pourquoi pas de les noter dans un cahier ou dans un journal intime et faites appel à ce bel archange Azraël pour que je puisse soulager votre petit cœur et votre esprit. Vous savez, il peut vous aider à mieux dormir la nuit et à apaiser votre esprit. Travailler avec l'archange Azraël, eh bien, cette aura Azraël est d'une belle couleur crème de vanille, d'un ton jaune très pâle. Et ce bel archange enveloppe de sa lumière d'amour les endeuillés ou les mourants afin de les consoler. Quand il est à proximité, vous pouvez apercevoir des lumières scintillantes couleur coquille d'œuf dans la pièce. Le cristal de calcite jaune crème est calibré à l'énergie d'Azraël. Alors, il est possible, eh bien, d'obtenir un réconfort supplémentaire en le tenant et en le portant sur soi. Donc, si vous avez cette pierre, eh bien, c'est bénédiction, n'est-ce pas? Maintenant, si vous êtes dans une tristesse de deuil, que ça soit un deuil, une perte
d'un parent, une perte de votre compagnon, une perte d'un enfant, eh bien, sollicitez-le. Maintenant, si vous êtes endeuillé au point de vue d'une relation amoureuse, vous avez des difficultés à faire ce lâcher prise, eh bien, faites appel à cet archange. Si maintenant vous êtes endeuillé parce que vous n'avez plus de travail, vous avez eu votre préavis, eh bien, faites appel à cet archange, Azraël. Et il ne demande que de venir vous aider. Sollicitez-le, vraiment. Et si maintenant vous êtes à côté d'une personne qui est en fin de vie, faites appel à Azraël et je vous dirai, faites appel aussi à l'ange Djabamia, qui est un ange qui prend les personnes en fin de vie sous leurs ailes. Quel beau message, n'est-ce pas, pour commencer, de l'archange Azraël. Je termine avec l'oracle des amoureux. Guérison. Ah ben voilà, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière et ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, il y a encore beaucoup d'amour dans votre couple. Vous vous aimez, mais vous ne vous comprenez plus peut-être. Alors, le dialogue est très important. Dialoguer. S'il n'y a pas de communication, votre couple va s'effriter. Mais il y a une guérison, si vous le voulez vraiment au fond de vous, parce qu'il y a encore de l'amour de part et d'autre. Donc croyez, vous pouvez guérir de l'effritement qu'il y a dans votre couple. Eh bien voilà, je termine, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.